Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo découverte sur un jeu d'horreur. Terror at Ochre. Ochre. Alors en fait, je t'avoue, je l'ai téléchargé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Alors par contre, je sais pas, il n'y a pas d'option, hein. C'est-à-dire que c'est un jeu, voilà quoi. Donc nouvelle partie. Donc c'est une full découverte, on va voir. Nouveau chapitre, prologue, ouais. De toute façon, on se doute, hein, il y aura toujours un prologue. The Fighting. Réveille-toi, Teddy, réveille-toi. Il est temps de se lever. Attends, par contre... Oh, ça va, avec la manette, ça va. Oh les gueules! Eh mais en fait lui c'est pas censé être un monstre genre. Oh la teuté! Et le jour où je vais avoir cette coupe là moi. Je vais rien dire. Mais c'est qui ce personnage en fait là? Il y a un œil, c'est son esprit? En fait, je suis censé être un monstre, c'est ça. Enfin, un chandelier bleu. Attends. Candle, c'est quoi? C'est une bougie, ça? Non? Je sais plus. Oh, c'est flippant. Ok. Ah, peut-être de ce côté-là, ouais. Ouvrir le menu inventaire. Ok. Ah, dommage. Elle est grande cette baraque, hein. Ouais, mon costume est bientôt fini. En fait, le mec... Déjà, je comprends même pas pourquoi le gars il se déguise en clown déjà. Tu vois? Genre, il a envie de se faire styler, c'est ça? Ou soit c'est parce que c'est une période d'Halloween? Apparemment, il y a eu un bruit quelque part à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est cet enfer? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ah mais c'est ça en fait qui me hante du coup. Ah, en fait le truc qui l'a infecté, ça lui donne en fait un certain pouvoir en fait. D'accord. Carrément maître. Ah ouais. Ok, je veux jouer moi. Ah. Ah mais du coup le bleu je l'ai. Donc ça veut dire qu'il y aura un. C'est quoi? Il y aurait une bougie bleue, une bougie verte, une bougie rose et rouge. D'accord. Ok, je pense qu'à mon avis, il faut chercher toutes les bougies pour pouvoir...
Mais c'est spécial comme jeu quand même. Oh, c'est quoi ça? Ah, attends, est-ce que lui par exemple il reste en haut? Oui. Et lui ou pas? Ok. Donc c'est lui. Je vais tester avec lui. Ah. Donc, et lui? Bah c'est parfait, c'est fini. Donc du coup ça va faire quoi? Bon, c'est un jeu énigmatique, mais plutôt simpliste. Ah ouais! Ah, tu récupères quand même tout d'un coup. Hein. Bon, là, normalement, on va pouvoir sortir. Intéressant. Du coup, ouais, on pourra pas passer là, mais ça va faire quoi en fait? Et encore, c'est juste le prologue. Ok. Ok, donc ça veut dire que le jeu commence maintenant, Teddy. Waouh, je suis flippé. Waouh, c'est lui. Le tout petit qui était le tout début là, il a vraiment évolué. Hein. Et en plus, il lui donne des cadavres. Et c'est un jeu horrible. Donc ça veut dire que toutes les personnes qu'on va vouloir tuer par exemple. Donc là on démarre le vrai jeu. Là. Chapitre 1. Teddy va terroriser, ouais, en gros. Mais Wow, Ashley! Ah ouais, regarde la télé tranquille. On s'en fout de ce qu'il y a à la télé, c'est de la merde. Ça. Je sais même pas ça représente quoi en plus. Aïe, carrément il y a des infos à la télévision qui parlent de moi. Ah ouais, des résidents en plus de Hogwarts. Donc en fait, Teddy a encore frappé. Donc en gros apparemment il a voilà quoi, il a tué une famille. Un couple. Enfin, en tout cas, il a pour cible en fait de tuer un couple. Alors attends, par contre, faut jouer maintenant. Oui, oh bon, je suis un monstre, ok. Oh, je la dirige en plus. D'accord. D'accord. Oh putain. C'est peut-être de l'autre côté.
Parle de douche. Lampe torche. Oh, j'ai cherché la touche comment monter. Toilets, toilets. Allez. Putain, je me suis dit, c'est où la pièce pour pouvoir prendre sa douche? Putain, je suis choqué, quoi. C'est un maniaque. Oui, J'ai l'impression que lui, ça va être le... Oh, on peut diriger tout le monde, en plus. Par lui, il va faire quoi? Ben, ok. Bon, en gros, faut rentrer dans une pièce. Pour voir s'il n'y a pas des armes, mais attends. Non, apparemment pas. Allez, allez. Est-ce que ça, je peux l'utiliser ou pas? Non. Voilà, c'est chiant parce que là, pour l'instant, c'est plus de la préparation et tout, apparemment. C'est un peu pour pouvoir créer un bon scénario après. Oh, la musique, elle est un peu angoissante, hein. Je peux l'entrer là ou pas? Oui. Ok. Je vais voir si je peux pas aller dans la douche là. Ça peut être intéressant. Wouah, vas-y, sérieux, wesh. Salut, comment réagit, genre? Ok, donc ça, c'est quoi comme clé? C'était pour celle-là, la clé, non? Non, c'est pour la clé de tout à l'heure, là, qui était tout au bout, là-bas, c'est ça? C'était pour cette porte, hein. C'est étrange. Ah, parce qu'il pensait l'avoir fermée? Ouais, s'il y a des trucs comme ça, c'est chaud, hein. Mais c'est vrai que là, il y avait une fenêtre en haut qui était ouverte, hein, donc je sais pas. Mais non. C'est celle-là, mais j'ai cru qu'elle était ouverte celle-là alors. Alors que pas du tout. Mais du coup, c'est bon ou... Oh là là. Je veux de la baston, moi. Quoi? Oui, arrête avec tes phrases. Hein. Bizarre. Wow.
What? Qu'est-ce qui se... Bon bah son mari, enfin son copain. Pourquoi il n'y a plus d'énergie, d'électricité? Tyler, Tyler. L'électricité, Tyler. Tyler, où es-tu? Il fait noir. J'ai besoin d'aller choper une lampe torche. Ok, je sais où aller. Ouais, j'ose même pas en fait sortir là. Oh la dinguerie. Et comme par hasard, elle est tout en bas. Wouah! Non mais c'est pas un jeu ça. Wouah! C'est un jeu indé ça? Fous les boules, hein. C'est quoi cet enfer? Où es-tu, Tyler? Oh putain! C'est la tête de Tyler! Je vais appeler la police! Oh la teuté! Une autosave, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'appeler la police. Ah, c'est le téléphone à l'étage. Vas-y, on va voir. Wow, regarde la tête. La tête du perso, elle est inquiète de ouf. Ah, mais s'il n'y a plus d'électricité, elle est bête. Elle arrive à capter quand même. Help all the departments. Pourquoi m'appelez-vous? S'il vous plaît, venez chez moi. Teddy est ici. Le meurtrier a tué mon petit copain. Là, 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 là. Restez calme. Nous avons besoin de savoir où vous habitez. Carrément, il donne l'adresse. Écoutez, soyez prudente. Ok. Wow. Attends, sérieux là? Écoutez, soyez prudente. Mort. Ça veut rien dire. Oh non, je dois me retaper ça. Écoutez, soyez prudente. Mort. Instant. Ouais, donc en gros, dès que les téléphones, il est voilà. Oh, l'animation qui dure 3 heures. Attends, en vrai, c'est marrant, drôle, mais un peu écœurant et horrifique, c'est bizarre. Oh, le placard. Wouah! Tyler avait les clés de son. Ah oui, apparemment, c'est vrai qu'il avait une caisse d'armes. Il me faut cette clé. Je dois la trouver. Mais. Ah ouais, mais du coup. Va falloir automatiquement, en fait, descendre. Aller à l'extérieur où il s'est fait tuer et récupérer la clé. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'elle va être nez à nez en fait avec
son copain die, quoi. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, Tyler. Ok, j'ai la clé. Oh la teuté. Ok, du coup, faut qu'on remonte à l'étage, dans la chambre. Vu qu'on a la clé, on prend l'arme et on lui tire dessus. En gros. Si je suis la logique du truc, hein. Oh merde, c'est la salle de bain. Montre-toi. Wow. Vous confirmez que c'est bien le corps de Teddy, hein? Il est vraiment mort, hein? Ah, apparemment, ils disent que c'est un jeune homme qui est au sol. Mais c'est bizarre. Ça se trouve, ils ont tué le mauvais. Ou ça se trouve, en fait, il était possédé par d'autres trucs. Et du coup, voilà quoi. Chapitre 1 complété. Eh, c'est vraiment flippant quand même ce jeu, hein. Là, c'est le chapitre 1 seulement, hein. Un an plus tard. Oak Earth Cemetery. Il va ressortir. Le retour. Waouh. Avant c'était un fou. Et là, vu qu'il s'est fait tuer, c'est plus un fou maintenant, c'est devenu un zombie. Chapitre 2. Teddy. Live. Ok, hey Sarah, comment va cette nuit? Bon, c'est de la merde, quoi. Comme d'hab. Genre, c'est littéralement les blasés, genre. Ah oui, ça fait un an? Qu'il y a eu le truc genre où genre Teddy est venu et a tué son. Donc c'est un an après en fait du coup. C'est pour ça qu'il y a des infos. Ok. Je veux jouer, please. Cette pauvre femme. Après, oui, c'est vrai, regarder un feuilleton à la télé, et son copain a voulu faire le grand. Il est sorti parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Il sort de le truc de l'électricité, et il se fait tuer. Du coup, bah, elle le trouve pas parce qu'il est parti à la douche. C'est un carnage. Oh non, ça y est, on est le flic. Locker, office, processing. Armory.
D'accord, il faut une clé. Donc à mon avis, les cellules. Bathroom. Non. Non, regarde qui là. C'est bizarre, c'est exactement le même visage que l'autre. J'ai l'impression qu'elle, en fait, c'est elle qui va se faire tuer et c'est bizarre. Comment vas-tu, Sarah? Ok! Bon bah c'est parti. Wow, on passe derrière le bureau carrément. Putain, faut que je remonte. Oh. J'ai rien dans l'inventaire. Ouais, je sais pas si je peux aller vers ça des opérations. Parce qu'en fait, il faut une clé dans tous les cas. Donc, de ce côté-là, j'ai pas encore fait. Oh, je peux même pas passer. Oh, la loose. Ah mais il y avait plein de trucs comme ça. Genre il y a des petites peluches genre. Tu as besoin de me voir? Apparemment, il y a eu le shérif Roussel à la radio. Il veut une clé apparemment. Ok. Je fouille quand même un peu, on sait jamais. Mais il y a d'autres clés là, prends. Oh là là, en plus le mec. C'est censé être le shérif, faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on aille prendre les clés et qu'on aille lui donner quoi. Et t'imagines si le shérif il est juste à côté, ça foutrait la loose, je t'avoue. Supply Realm. Je sais plus où c'est ça. Ah, elle est ouverte maintenant. Shower, ah. Tout est lié. What? Qu'est-ce qui se... Wow. Faut qu'Eric remplace ses lumières. Et il y a un truc qui va se passer là, je le sens pas. Waouh. Ah, ça m'a foutu des frissons, genre, il a pris le cœur comme ça, il l'a mangé instant. Oh, il est en plus son jeu géré lui. Break room. Enfin, break room, c'était pas derrière, hein. Non, ça c'est bathroom.
Ici, la porte a été... T'es pas... Non, on peut pas aller là. Malheureusement. Bah attends, mais je viens de l'ouvrir en plus. Genre, tu vas me dire que la porte, en fait, elle s'est auto-fermée tout seul. En gros, il a la dalle, lui, hein. Mais il faut aller dans une sorte de cuisine, genre. Ah bah, c'est la break room. Attends, on peut pas prendre... Non, dommage. Mais s'il clignote comme ça, les clés, c'est qu'on va être obligé de... revenir. Oh my gosh! Beer Klaus! My favorite! Wow! Ok. Alors, y'a quoi là-dedans? Wow, cheers! Wow, oh my milk! Wow! Wow! Oh non. Wow. Oh non, vas-y. Eric. T'es pas censé réparer les lumières, toi? Ouais, en gros, c'est un peu le réparateur, hein. Apparemment, faut qu'il Hardley Crease. Ok. J'ai besoin des outils. Tac. Voilà. Normalement, là, j'aurais besoin de rien du tout. Quoi? Hardley? Eh, mais il va tuer tout le monde. Mais il reste qui, en fait? Oh non. C'était quoi cet enfer? Mais c'était quoi ce son? Un animal? C'est vrai qu'il y avait un cri. Un cri un peu bizarre. Faites une investigation à propos du son. Mais c'est quoi ce son? Oh mon dieu, Hadley. C'est quoi cet enfer? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai besoin de trouver Eric et Sarah. À l'armoire maintenant. Voilà, ouais. Attends, l'armoire, c'est où? Ouais, c'est ça. Ah, j'ai besoin de l'armoire du clé. Ah, mais du coup, elle est là. Elle est dans la salle des shérifs. C'était les clés qui clignotaient en gris, là. J'ai besoin de... Ah, il a besoin de... d'aller là avant. Ah bah oui, il va essayer de voir dans les douches toutes les personnes qui sont mortes, en fait. Oh! Sarah. Non, pas toi. Ah, j'avoue que toutes les personnes... Ok.
Bizarre, j'entends respirer, j'ai l'impression. Ok. C'est dans Processing et ensuite Armory, il me semble. Ok. Ça va douiller. J'ai besoin d'aller au garage. Wow. Le garage à côté des cellules. Quoi cet enfer, c'est quoi ce symbole? Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? Ah mais je suis mort! Mais attends! Mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie parce que j'ai tiré dessus et en fait, ça a tapé sur autre chose. C'est incompréhensible. J'ai tapé sur un truc, ça a tapé sur autre chose. Ah, parce qu'il y a ça. Ok. C'était Teddy en fait. J'ai besoin d'aller à la salle de dispatch et à la radio de shérif. Oh le bordel toi. C'est un carnage là-dedans. Putain, la salle de dispatch elle est en haut, putain. Attends, dispatch. C'est office. Shérif Roussel. Venez ici, Shérif Roussel. Isaïs. Ils sont tous morts. Teddy de retour, he's back. Qu'est-ce que tu racontes, Ace? J'ai entendu des coups de feu, Ace. Teddy. Master. Ouais, donc en gros, le chef, le maître, son maître, le rappelle. Ah, cette femme qui t'a tué. Ah, elle va peut-être revenir sur la femme qui l'a tué, en fait. Non. Là, quand on parle d'enfant, c'est chaud, hein. Et je vous servirai. Oula, c'est bizarre ça. Chapitre 2 completed.
En vrai, c'est vraiment un bon jeu. Pour le coup, nouveau chapitre débloqué, chapter 3. Cleave it to breathe. Beaver. Donc il y avait écrit quoi? Il y avait écrit un court instant, hein, c'est ça? Avant. Enfin, en tout cas après. En gros, il y a un petit souci, ouais. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter là, oui. Donc Teddy est de retour, donc Teddy va vouloir potentiellement retrouver en fait la femme qui l'a tué. Et du coup, elle va se servir de tout, enfin en tout cas il va se servir de tout et n'importe quoi pour pouvoir en fait atteindre cette femme et la tuer. C'est pour se venger probablement, mais après il y a son maître etc, donc c'est un peu compliqué. Bon bah du coup moi je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour une prochaine vidéo, donc en vrai c'était une bonne découverte je trouve. Donc en vrai, isoquer. Hein. C'est vraiment isoquer. Je préfère faire que deux chapitres, comme ça au moins, les autres chapitres, c'est mieux, d'accord? Pour vous, en tout cas, si vous voulez le faire. Regarde. Attends, retournez au titre. Voilà. Quand je clique dessus... Quand je clique sur chapter, on voit que j'ai fait deux chapitres, mais il y a carrément sept chapitres. Donc... Vous avez quand même beaucoup de chance, donc n'hésitez pas, si vous voulez le faire ce jeu-là, c'est vraiment un bon jeu, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, donc je vous dis à la prochaine. Si vous voulez plein de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Teddy's back. À la prochaine.